Je l'ai dit, mais il y a réunion, il y a une conférence de presse au centre communautaire de Tourcoing, mais je t'ai pas vu. Il me dit, ah, soit possible, il est pointé, il vit dans la clandestinité. Et qu'on est en train de quoi faire, il y a trois des maisons, et les tôles sont vendues immédiatement. Donc je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il va essayer de voir s'il peut trouver des moyens, se retrouver sur la route internationale un peu loin, et prendre un véhicule et venir. Donc vraiment, la terreur est de mise. Les gens ne vivent pas comme ils veulent, ils vivent dans la clandestinité. Il y a, je crois, un mois et quelques, le colonel Siao Fia de la gendarmerie a convoqué une réunion de tous ceux qui sont propriétaires de terrain à Davier. Bon, le jour-là, on était plus d'une centaine à la gendarmerie. Il a brandi un papier signé en 2014, lui demandant de faire dégager cette zone. Et lui, il nous appelait pour nous informer en donnant un délai s'il y a des actions que nous pouvons entreprendre. Sinon, lui va exécuter. Moi, par exemple, mon titre foncier date de 2013. Un enfant. Il a eu le papier en 2014. Bon, je me suis posé plusieurs questions. Quel est ce dysfonctionnement au niveau de l'État? Qui délivre les titres fonciers et qui demande à la gendarmerie d'évacuer les gens? Bon, quand c'est arrivé, quelqu'un m'a dit, bon, prends, va voir un forgeron, il va te faire des photos avec le numéro du titre foncier, tu vas les mettre dans les quatre coins. Bon, c'est tout ce que nous on peut faire. Mais devant la force des armes, devant la force du fusil, qu'est-ce que vous faites? C'est la force, ce n'est pas la raison, ce n'est pas les explications, ce n'est pas la vérité, c'est la force des armes. Mais nous, il nous a été dit qu'elle réclame 3000 hectares. C'est l'information qui nous a été donnée. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Puisqu'elle évolue de 3 à 7, de 7 à 162. Donc, elle veut gagner les batailles par manche. C'est incompréhensible. Il dit que c'est pour une famille, comme je l'ai dit, de frère. Non, c'est pour une seule dame. Ils sont dit, il y a des gens qui vivent encore. Et qui ne sont pas avec. Je précise en passant que